Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, bon matin. Alors, vous savez, ce matin, je vous ramène dans du terre-à-terre très concret. Moi, il y a quelques années, le matin, on est une grosse famille, hein, pour ceux qui nous ont un peu vus. Alors, on mangeait des quantités de pain industriel à la maison. Et quand on était ados, c'était encore pire. Et je me rappelle, j'ai vraiment un souvenir concret de mon papa qui s'est mis à faire lui-même le pain. Parce qu'il se disait, ben, premièrement, c'est des économies. Puis aussi parce que, en fait, avec le temps, il a découvert un plaisir à faire quelque chose que finalement tu manges. Puis c'est toute une activité qui est très intéressante aussi, de faire quelque chose de ses mains comme ça pour nourrir ta famille. Je pense que ça doit avoir un sens aussi. Et donc, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ça, de tous ces. Ben, premièrement, ce beau souvenir de mon père qui pétrissait la pâte, parce que ça me fait souvent penser à cette image un peu de notre vie intérieure et le bon Dieu. Je me dis des fois, on doit ressembler un peu à ça, une espèce de pâte à pain pas prête encore, là. Puis on se fait pétrir par la vie, par les choses, mais je me dis avec l'espérance qu'on a, on sait intérieurement que tout ça, c'est pas pour rien. C'est pour que ça puisse justement gonfler, hein, dans la chaleur de la vie, que ça puisse prendre, cuire et devenir quelque chose qui se partage. Et je me disais justement, en cherchant un peu justement les recettes, parce que je ne voulais pas non plus dire des bêtises, mais donc, pour faire le pain, on a d'abord la levure. Et je me disais peut-être que justement, nous, quand on est, en tant qu'humains, on est un peu comme de la levure. Cette espèce de petite levure, c'est tout sec et ça ne peut pas vraiment rien faire, sauf à partir du moment où ça entre en contact avec de l'eau. Et à partir de ce moment, ça devient du levain, parce que la levure, c'est comme si elle entrait en action. Et c'est là que quand on le met dans la pâte, la pâte va gonfler et permettre justement de ensuite terminer notre pain. Donc on va le pétrir longtemps, le mettre dans un moule au four et puis ensuite ça gonfle et on peut le manger et tout ça. Et je me disais en fait, cette petite levure que je suis, quand je nais, quand je deviens, bien peut-être que l'eau du baptême, c'est un peu comme le moment où justement dans ma vie intérieure chrétienne, je deviens actif, je deviens capable de faire lever des choses, de faire grandir des choses, de faire maturer des choses même, et qu'à l'intérieur de moi se vit cette espèce de temps, de pétrissement, de pétrissage, pardon, de temps aussi de repos où tout gonfle, tout prend vie, prend forme, et où, en fin de compte, ben, je peux un jour être partagée, où je suis prêt à donner des choses qui se donnent, qui se partagent. Et donc voilà, donc me venait cette image-là, je ne sais pas pourquoi je me suis dit, c'est drôle, c'est tellement concret, et pourtant, ça en dit long sur cette simplicité de tout ce qui nous entoure, mais qui fait que, ben, on ressemble pas mal des fois, justement, à des petits pains. Et l'image est belle aussi de se dire que, ben, ce pain, justement, c'est l'Eucharistie. Au final, c'est de ça que le Christ s'est servi. Et je pense qu'il y a une belle image là, à se dire que le baptême, finalement, nous donne de pouvoir devenir, nous aussi, Eucharistie, partagée pour les gens, et nous rapproche du Christ profondément, parce que lui est notre vrai levain intérieur. Alors, à très bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charron. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubrédé. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la victoire de l'amour en juin 2020. Si vous saviez comment, on a tous hâte de fêter tous ensemble cette grande fête de la foi. Et je suis heureux de vous présenter ce si beau cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel-Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est plus d'une heure de conférence. Le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Et il y a des gens qui nous ont dit « Oui, mais dans le sanctuaire, nous, on était là, le son n'était pas parfait, il y avait de l'écho ». Un instant. Nous, on avait prévu le coup. On avait mis un micro, comme j'ai ici, un micro cravate sur la soutane du père Michel-Marie. Donc, évidemment que le son, il est impeccable, il est parfait. C'est comme si vous étiez seul à seul avec le père Michel-Marie. Et sa conférence, elle est d'une profondeur absolument extraordinaire. Faites-vous ce cadeau-là, mais aussi donnez-le en cadeau à quelqu'un qui en a besoin. Vous allez voir, c'est d'une grande, grande profondeur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père Michel-Marie. Heureux de vous retrouver en cette belle journée pleine de soleil à Paris. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un tout petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Mes frères bien-aimés, à moins d'être informés par les anges, ce qui demeure toujours possible, personne ici-bas ne connaît l'heure de sa mort. Avec sa faux, elle peut venir nous faucher de nuit comme de jour. Et c'est au fond toujours à l'improviste, même si l'on est atteint d'une grave maladie. Le dernier instant n'est jamais vraiment programmable. Et tant mieux, car il faut que demeure ici-bas quelques mystères indiquant à l'homme qu'il n'est pas le maître de sa vie et que sa venue sur la terre comme son départ ne dépendent pas de lui. Nous, nous croyons toujours que nous dominons nos destins, pauvres idiots que nous sommes.
alors que la vie nous a été donnée sans notre accord. Je préconise d'ailleurs que tous les matins, en prenant notre douche, nous contemplions notre nombril, vestige qui prouve que notre vie fut entièrement liée dans sa survie et son développement à notre mère, à quelqu'un d'autre. Quelqu'un nous a donc enfantés. Et s'il est vrai que nous devons tous parvenir à une véritable autonomie de vie, il ne faut surtout pas oublier que nous avons été créés et que notre vie, je le redis, comme notre mort, ne nous appartiennent pas. Et oui, il faut attendre une heure inconnue pour quitter ce monde. Jésus assure aujourd'hui qu'il faut songer à cette heure avec sérieux et se tenir prêt, ce qui ne veut pas dire sur ses gardes, avec la peur au ventre, mais conscient d'un départ possible à n'importe quel moment de notre vie. Pierre, en écoutant le Christ, lui demande si l'appel qu'il vient de lancer concerne uniquement les serviteurs de Dieu, donc les apôtres, les prêtres, les religieux, les religieuses, ou bien le monde entier. Et Jésus de répondre, et je paraphrase à peine, « Vous êtes en première ligne, amis apôtres. Cela vous concerne en premier lieu. » Donnez donc l'exemple. Vous êtes les gardiens de vos frères. Vous êtes les intendants du royaume. Le monde vous est prêté. Le monde vous est confié. Et quand je reviendrai à la fin du monde, au moment de la mort de chacun d'entre vous, je dois vous trouver au travail que je vous ai confié. Être vigilant pour le Christ, c'est donc accomplir sa vocation en toutes ses exigences, en réalisant bien que le temps est compté. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui, nous sommes donc des enfants de la maison. Nous avons tous les droits, mais aussi le devoir de nous comporter ici-bas avec droiture et honnêteté, sans chercher à dominer les autres. C'est là le premier écueil de la vie, le plus dangereux, exercer un pouvoir sur les autres. Il en est un autre de danger, qui consiste à passer tout son temps à boire, à manger, autrement dit, à vivre pour soi. Et Jésus condamne fermement cette attitude. Vous connaissez bien sûr le proverbe « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Eh bien, c'est exactement ce que Jésus ne veut pas. Il n'est plus là devant nous, il est dans la gloire. Mais il nous voit, non pas pour nous coincer en nous attendant au tournant, mais pour inlassablement nous accompagner de son amour et nous éclairer notre intelligence sur ce que nous devons vivre. Le conseil qu'il nous donne aujourd'hui, tenez-vous prêt, assure aussi une qualité de densité à nos journées. Alors, je vous en prie, quittons nos canapés, ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour les autres, vivons avec amour chaque seconde avant d'être emportés dans le ciel de Dieu. Dès lors, que l'amour du prochain soit notre idéal et nous n'aurons rien à craindre du jugement de Dieu, quels que soient nos péchés, nos failles ou nos fragilités. En attendant ce jour, je suis heureux de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Le seul mal qu'il faut vaincre dans ton cœur, mon enfant, c'est la peur. Tous les autres mots, M-A-U-X, là, c'est la colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité morbide, proviennent de cet ennemi intérieur, la peur. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui vivent sur cette planète qui ont peur d'avoir peur, finalement. Alors, si on décide de vivre avec Jésus dans notre vie, c'est le Seigneur qui dit dans l'Évangile, « N'ayez pas peur. » Bonne journée, à demain. Et donc, je comprenais qu'il me disait, qu'il m'invitait à être prêtre. Il me disait, accepterais-tu d'être mon prêtre pour témoigner au monde de mon amour? Mais pas seulement d'abord avec des belles paroles, mais d'abord par ta vie, par un témoignage de vie.